Bonjour les amis, bonnes vacances à tous et je suis extrêmement hype à l'idée de ressortir cette vidéo. Oui, c'est un concept que vous avez extraordinairement apprécié. Je m'attendais pas à ça, on avait élu ensemble le plus beau screen de la communauté lors de l'anniversaire. Je remets ça pour le Legends Festival. Aujourd'hui, vous êtes sur la bonne vidéo et je l'ai mis sur Twitter. On va élire ensemble le nouveau plus beau screen de la communauté. Alors, contrairement à la première vidéo, qui a extraordinairement bien marché, d'ailleurs, je veux dire, la vidéo a fait plus de 20 000 vues. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Merci énormément de m'offrir la chance de faire ça. Et j'ai l'impression que vous kiffez de fou ce genre de concept. La vidéo, elle a, même le tweet là, il a absolument pété les stats. Les gars, vous voyez en bas 416 messages. Sachant qu'environ, il y a des gens qui ont mis 3-4 photos. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins 1000 skins. Bah, merci à tous d'avoir participé. J'attendais pas qu'il y ait autant de gens qui jouent le jeu. Merci énormément les gars. Alors il y a des gens qui sont un peu impartiales, qui sont là pour mettre en avant leur petit poulain. Je vous connais sur Twitter, sur X. Et les gars, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à élire selon vous quel est le plus beau screen. Et si vous voyez un mec qui a mis un commentaire qui a déjà parlé du plus beau screen, vous mettez un petit like dessus, ça permettra de faire revenir ça. On va regarder ça ensemble les gars. Quels sont les plus beaux screens de la communauté? Et honnêtement, je pense qu'il y a des trucs de fou. Et ça c'est vraiment un point fort sur les gens, les screens, je trouve ça trop cool. Ça te permet de voir des persos dans des moments que tu vois pas, sur des frames spéciales, des trucs extrêmement rares. Alors comment je vais élire le plus beau screen? Pour moi, le plus beau screen n'est pas le plus rare. Et il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Waouh, celui-là est hyper rare !» Oui, ce screen très rare, mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas forcément très joli. Moi, je pense que c'est un mélange de tout, un petit peu. Entre un screen un peu rare, qui en même temps incroyablement beau. Et alors je peux vous mentir, je me rappelle plus des screens de la première édition. Donc il y a moyen qu'il y ait pas mal de screens de la première édition qui soient remis par certaines personnes. Bon, on verra ça les gars. Je me réduis un petit peu, pas prendre trop de place sur votre écran, sachant que j'ai une sale gueule. On va y lire le plus beau screen de la communauté, deuxième édition spéciale Legends Festival 2023. Mettez ça dans les commentaires et likez votre préféré parmi ceux postés. Il n'en restera qu'un. Bon, ça c'est pas vrai parce que ça veut dire d'en définir que un. On est parti. Alors, alors déjà, premièrement, le plus beau screen pour moi, c'est sans le votre adversaire abandonne le combat. Parce que pour moi, ça gâche. Il faut avoir le timing de screen sans justement le truc votre adversaire abandonne le combat. C'est un petit peu ça le sujet. Non mais, alors là, je vous dis, il y a des gens qui sont pas impartiaux, on dit, je sais pas. C'est qui a fait ça? Ah mais c'est Oba! Ah oui, non mais en fait Obanai les gars, c'est un gars qui surkiffe Kidbou, il est pas honnête. Il est pas honnête. Alors ici on a Instant, un modérateur de la chaîne. Végéto, il est magnifique. Le screen de Végéto est sublime ici. Celui est horriblement moche. Le screen, je pense que c'est du nouveau Migaté. En plus ça se voit avec l'aura. Plutôt pas mal. Attends les gars, faut prendre des screens. Parce que là, sans l'adversaire abandonner le combat, on aurait eu un vrai bon screen. Ok, on a Broco, voilà, vous voyez ça, c'est la qualité. Ici, c'est pas ouf. Et là, voilà, là on est sur un screen de qualité. Je trouve que le Bardock, il est lisse. C'est le Bardock du tag, évidemment. On va retrouver beaucoup d'unités du tag, hein, c'est sûr. Goku SSJ4, waouh, Goku SSJ4, il est beau. Attention, tirez, parce que là, je vois un petit peu de triche, là. On a retouché. Potentiellement, peut-être, n'est-elle pas... Le screen n'est-il pas assez beau à lui tout seul de devoir... L'embellir? Non, ça c'est de la triche. Ça c'est... Non mais ça c'est un modérateur. Mais vous êtes vraiment des trollers, hein, y en a un. Vous êtes des trollers. Ah, Gohan Beast plutôt stylé. Alors je pense qu'il y a des screens de Gohan Beast plutôt sympas. Vous voyez celui-là par exemple, il est hyper rare. C'est un screen sur l'aspect, je pense, de Brolutra, un truc comme ça. Mais en soi, il est pas... Bon, il est pas mal, tu vois, mais il est pas non plus incroyablement beau, clairement. Oulololo, celui-là. Oh, celui-là. Celui-là sans le petit adversaire abandonné le combat, ça aurait été incroyable, c'est pas mal aussi. Du way Kaioken, ça je pense. Oh. Les gars, dommage, vous passez à côté de quelque chose. Alors, waouh, NS, évidemment, c'est du Gohan. Oh, en vrai, là, il est incroyable. Oh, il a pas de bol. Oh, il a pas de bol parce qu'en fait, vous savez pourquoi il a la barre de vie et tout. Vous savez, c'était au moment où les devs, ils avaient fait mise à jour et qu'on avait plus les screens dans le jeu, c'était un bug, clairement, j'en avais parlé. On avait plus les screens dans le jeu, c'était chiant. Du coup, bah, ça a dû lui faire ça, il a screen, mais du coup, il y a toujours les trucs. Et sans ça, sans les PV et tout ce qui s'ajoute par-dessus, wow, le screen, il serait légendaire. Dommage, NS, on est à deux doigts d'avoir quelque chose de très... Ah bah voilà.
Waouh. Bon, c'est le plus beau screen. Pour l'instant, c'est le plus beau screen, clairement. C'est Captain Killa avec le Gwen Beast. Wow. Non, mais vraiment, le jeu, il est beau quand même. Vous allez vous dire, mine de rien, le jeu, il est beau. Mais c'est vu. En fait, encore une fois, vu que c'est du. C'est du image par image, tout ça, mais il faut quand même. Enfin, c'est de l'animé, justement. Bah, le image par image, on le voit très peu. Gwen Beast, j'aime pas trop son plan là-dessus. Celui-là non plus, on dirait un piaf. Je jure, on dirait un oiseau là. Il a une tête, on dirait un corbac. Non. Oh, dommage, il y avait un screen plutôt sympa ici. Full Gwen Beast, hein. Il y a du full Gwen Beast. Ah, on a quelqu'un qui a réussi à l'avoir. Il est quand même incroyable. Le screen est vraiment stylé avec l'aura et tout. On voit Gwen Beast un petit peu au fond là, qui est en train de se transformer. Ah, j'avoue que celui-là, il est moins propre que l'autre, je trouve, tu vois. L'autre, il est lisse, t'as l'impression que c'est la bonne frame au bon moment. Lui, un peu moins. Mais ok, c'est pas mal. Ouh, lolo. C'est sur la verre de Dubaï. Incroyable. Ouh, ça aussi, c'est stylé. Ah, vous voyez, c'est typiquement ça. Où tu sais, t'as des plantes en mode, putain, le jeu, il est beau quand même. Ok, j'ai bien kiffé. Voilà, ça, par exemple, c'est extrêmement rare d'avoir ce screen-là, pour le coup. Ce screen-là, il est plutôt stylé, mais attention, sur l'ultime, on n'a plus les adversaires qui ont abandonné, c'est juste. Est-ce qu'on serait pas face à un tricheur qui a screen pendant l'ultime, plutôt qu'un vrai screenshot dans les règles? Monsieur Yatamoru, je vous inculpe, ou Evan, je t'inculpe d'une potentielle triche. Waouh, celui-là, ouf. Waouh. Avec la ville en fond et tout là. Pour l'instant, je suis pas sur le screen où je suis en mode. C'est sûr, c'est lui. Là, celui-là, c'est dans le top 3, c'est sûr. Pour l'instant, de ce qu'on a vu. Avec la ville qui est pas. C'est pas la map de Bardock, mais en vrai, c'est quand même vraiment stylé, je trouve. Ça rend plutôt bien avec la ville en mode. On dirait qu'il défend la ville. De toute façon, Bardock LF, c'est une masterclass, hein, je veux dire, il est tellement beau. C'est Kams. Alors. Peut-être qu'il est, il est rare, mais qu'est-ce qu'il est laid? Non mais, enfin, je veux dire, c'est rare, mais c'est extrêmement laid. Mais c'est dans le top 5, mais dans l'autre sens, il est moche. C'est terriblement moche. Alors, ok, c'est rare. Hein. Non, calme ça. Non, t'allais, lâche ça. Waouh. Eh bien, honnêtement, pour moi, on mêle tout, là. On mêle la rareté et la beauté. C'est le plus beau screen. 71 likes, et ben oui, regardez. 71 likes, bah c'est autant que celui-là, mais lui c'est un troller, quand même, si on l'écoute pas. Il aurait pu mettre Blago Kurosé, d'ailleurs ça m'étonne qu'il ait pas mis Blago Kurosé, d'ailleurs. Ah ouais, non. Pour l'instant, celui-là, il est absolument incroyable. Je le trouve trop stylé. Je le trouve vraiment trop stylé. Pour le coup, il est. Je savais même pas qu'on avait cette animation dans le jeu. Vous voyez, comme quoi, il y a des plans. Pour rendre des effets, pour rendre de la brillance, pour faire des transitions et tout, il y a des plans qu'on se douterait potentiellement même pas sur le jeu. Ah non, franchement, oh, j'aime beaucoup cette édition-là. Oh là là, il était incroyable. Ça, c'est l'aspect... Waouh, c'est l'aspect de Migaté violet, mais alors, je les avais jamais vus comme ça. Trop beau, ce screen. Trop beau. Roken, c'est du basique. Trunks qui arrive sur la cover. Et ça, c'est aussi, je crois, la verte de Migaté violet, hein, qui est vue d'un peu loin. Là, c'est pareil, de plus proche. Enfin, des fois, ça joue à 2-3 frames. Hein. Il était pas loin d'avoir un screen de malade. Le screen de Gwen Beast, il est magnifique ici. Clairement, il est magnifique celui-là. Il n'y a rien à dire. PQA, non, c'est plutôt nul. Vegeto Zaru aussi. Désolé, les gars. Il y en a des screens. Ouf, Migaté, il a pris une droite là. Ça, c'est stylé aussi. Si vous voulez une petite astuce, les gars, si vous n'arrivez pas, à screen au moment où vous appuyez sur votre adversaire abandonné le combat. Et ben, enregistrez votre écran. Il y a un truc normalement dans votre barre d'application là sur le haut là. Vous pouvez enregistrer votre écran normalement sans installer d'appli maintenant. Je pense que sur quasiment tous les téléphones. Ok. Ça me fait penser au premier screen. Enfin, au screen qui avait gagné la première partie des screens de la communauté. Qui était le Goku Blue. Qui voyait comme ça avec les yeux blancs. Là, il était incroyable ce screen. J'avoue que celui-là, pour l'instant, c'est très carré. Alors, Rosé s'est éclaté. Il est là parce qu'il s'appelle Rosé. Voilà, on voit quelqu'un qui s'est fail, mais il a beau screen. Vraiment, il y a des beaux screens à faire sur le tag Evo. J'ai l'impression qu'il y a des sacrés screens. Oh waouh! Alors, celui-là, je vous le dis, hein, sans le adversaire abandonné, c'était quasiment top 1. Je trouve incroyable. La posture de Goku, oh là là, dommage, vraiment dommage, les gars, vraiment dommage. Oh, c'est rare. Ça, c'est rare. Et là, ça doit être sur la verte du nouveau Migaté.
Du droit pair qui nous donne la bête. Ah, sur l'œil, en vrai, c'est stylé. Hein. Sur l'œil, c'est stylé. Ouh, aïe, aïe. Ouah, il est massif, la Gohan Beast. On dirait Tortank. Je pense qu'il y a un timing juste avant où il y a un peu plus d'aura autour de lui qui doit être un poil mieux. Donc, je pense qu'il y avait un tout petit peu mieux à faire s'il avait eu de la chance que ça pop au moment. Mais... Et ça, c'est l'aspect de Beast bleu, non? Je les confonds tellement les deux. Wow, la carte verte de Jubai évolution. Guignou. Qu'est-ce qu'il fait, Guignou, là? C'est plutôt rigolo. Ah ouais, celui-là était pas mal, en vrai. Celui-là était pas mal, de Guignou. Ah non, franchement, il y a des beaux screens. Ouf. Screen de Gohan Beast derrière. On voit que les gens, ils kiffent Gohan Beast. Hein. On voit que les gens, ils kiffent Gohan Beast. Ce plan-là, je l'ai vu, et vu. En fait, c'est un plan du team. Donc, en fait, là, c'est un plan qui est pas rare du tout, parce que l'adversaire va souvent abandonner au moment où vous allez lancer votre ultime parce qu'il va mourir. Donc c'est pas un plan extrêmement rare, la transfo passe... Ouh, ça c'était pas mal. Ça c'est la carte verte de VB aussi, carte verte de VB, on la voit pas mal. Ça c'est pas mal, attention, je crois que c'est retouché. Je crois que notre adversaire a essayé de... C'est formel. La var est formelle, c'est de la triche. C'est de la triche, on a simulé ça à deux. La triche, pour l'instant, le screen le plus propre et le plus rare, genre les deux ensemble, c'est celui d'Orange Piccolo. Il y a des beaux screens à faire hein, sur les gens. Tous les screens sont plus ou moins beaux, les gars. Tous les screens sont plus ou moins beaux, je dois vous l'avouer, mais j'avoue que celui d'Orange Piccolo, pour l'instant, c'est pour l'instant, pour moi, le plus beau screen, mais vous inquiétez pas, il nous en reste des milliers. On va avec Buno qui nous donne du Gohan Beast. Alors, celui-là, on l'avait dit tout à l'heure, du Orange Piccolo et encore du Gohan Beast. Derrière, il y a des choses sympas. Rosé, il aurait pu être stylé avec la faux sur la carte verte. Ça, c'est pareil. C'est pas si rare que ça parce qu'avec la torpeur, c'était un peu quelque chose qui proquait souvent. Ouh, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. On va le revoir et on va le voir. La spé de Freezer, pourquoi pas. Goku Namek, plutôt pas mal. Je connais pas ce perso. Il est sorti quand, lui? Goku Namek. Franchement, je connais pas, je vous en aurais fait des vidéos s'il existait vraiment. Et on a du... Alors, ça c'est pareil. Selon moi, les gars, c'est un tricheur, notre cher ami Brisky. Tout simplement pour la simple et bonne raison que les screens, vous savez, d'abandon, proc avant, pendant l'animation, mais ils proc pas sur le LF en question. Si l'adversaire a abandonné, ça vous fait un petit icône rouge. Votre adversaire a abandonné le combat, enfin, je crois. Donc ça, je pense que c'est plutôt le frérot qui a screen de lui-même. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que de la triche. Hein. Attention, hein, je vous allais pas m'avoir comme ça. Oh, il a fait les deux. Un petit montage où tu mettais les deux à côté sans l'adversaire abandonner le combat. On était sur un truc banger. Ok, il y a du gauche... Oh, il est méchant là, l'Orange Pico lui fait peur. Gogeta vert, ça m'étonne qu'on ait pas eu tant que ça de screen de Gogeta vert. Viewer de Locklear, gros point fort pour toi, tu vas gagner un point parce que j'aime beaucoup les streams de Locklear. Dodo, GG. Ça rend quand même. Regardez, là on est en mode. Ouais. Ouais, tu vois plus les effets, tu vois plus tout ce qui est mis autour. Balak qui est en train de puncher Freezer, ça c'est stylé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de débat pour moi. Pour l'instant, il n'y a pas de... waouh. Alors, il ne représente rien parce qu'on ne voit pas le Vegeta Evo, donc ça ne pourra pas être le plus beau screen. Par contre, je dois vous avouer que je le trouve assez incroyable. Et ça, c'est l'aspect de Badak LF, si je ne dis pas de bêtises. GG, très 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 belle Freezer Revive ici, du sel. C'est l'épée de végétaux violet, non? Ça, si, c'est quelque chose que j'avais. Comment personne n'a mis de like là-dessus? Il est légendaire, le screen, là. Je le trouve, mais incroyable. Bon, alors là, pour moi, ça se tape. Là, pour moi, ça se tape avec le suit d'Orange Piccolo, hein. Lui, il est extrêmement rare. Ce screen-là, par contre, il est extrêmement rare. C'est vrai que le mec, il a... Dites-vous, le mec, il a FF au moment où tu viens de te faire taper, tu viens de prendre des dégâts, donc t'es quand même positif pour l'adversaire, et il déco à ce moment-là. Souvent, les décos, c'est quand toi, tu vas gagner la game. Pas quand lui est en train de te faire des dégâts, tu vois. C'est hyper rare, je trouve, comme screen. Voilà, ça, je laisse mon temps de réflexion, mais pour moi, ça joue entre Orange Piccolo et celui-là.
Pour l'instant, Pank allait mettre une mandale, c'est pas mal. Guan. Vu la qualité du modèle 3D de Guan Beast. Vraiment, les devs, ils ont franchi un sacré step au niveau des modèles 3D. Hein. Les oreilles, par contre, c'est pas trop ça, je trouve. C'est assez moche sur le jeu. Mais, oh non, le modèle 3D, à part ça, il est incroyable. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui maîtrise. Janemba, il était plutôt stylé, quand même. Oh là là. Oh, je kiffe. Je vois ce plan, mais avec le sourire, je pensais pas. J'ai oublié qu'il avait le sourire à ce moment-là, Jiren LF. C'est Jiren LF qui a ce plan-là, là. Sur l'ultime, non? Ou... Je crois que sur l'ultime. Je savais même pas qu'il... À ce moment-là, il souriait... Enfin, je sais qu'il souriait dans l'animé, évidemment. Mais je me rappelle plus que sur le jeu, ça c'était le cas. J'ai Gogeta vert, il y a des screens de malade à faire avec Gogeta vert. Je pense que... Il a eu le bon timing du lock, parfait. Très, 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 très beau. Migaté, c'est parfait. En plus, on voit que ça doit jouer sur iPad, là. Ça, vous avez vu, c'est, les screens sont plus grands, ça doit jouer sur iPad ou autre. Celui avec Rosé, pas trop le skip comme ça, là. Hein. Il est incroyable, celui-là. Oh, c'est peut-être top 3, ça. Il est légendaire, celui-là. Ah non, je l'ai skip en mode comme ça, mais mon cerveau, il a dit, attends, frérot, tu fais quoi? Ah, ça, c'est top 3 pour moi. Végéto sur la carte verte, stylé. Oh là là. Végéto Blue Ultra, c'est le plus beau Ultra du jeu. C'est indéniable. Il est tellement beau in-game, Végéto Blue. Tu prends tous les plans de Végéto Blue, il est stylé. Waouh. Je trouve qu'il est incroyable. Et sur iPad, ça rend trop bien. Mon frérot Waka, vas-y, régale-nous. Si t'en as d'autres, régale-le-nous. Du Végéto Blue ici. Ouh là 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 là, on a le go des screens là. Oh non, non, non. Alors lui, il passe devant suite tout à l'heure. C'est sûr. Au moins, il est top 1. Il est top 1. Alors, déjà de 1, il est extrêmement rare. De 2, on dirait moi, pendant que j'avais la gastro. Ça me fait... Bah, ça me touche, très sincèrement, vu le Noël que j'ai passé. Et de 3, mais il est trop lisse, il est parfait. On a... Enfin, les critères du jury officiel des meilleurs skins de la communauté... C'est les critères de... Allez, vous savez quoi? J'y vais. Je pense que c'est mon top 1. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon top 1. Waka TP, il vient d'écraser la concurrence. Quel est cet homme? Waka TP, si tu es là, est-ce que tu peux mettre un message dans l'espace commentaire? Mec, tu sais quoi? Tu fais trop bien les screens. Régale-nous. Lance un compte Twitter, là, si t'es sur Twitter, et mets des screens. Ils sont trop beaux tes screens avec ton iPad ou je sais pas quoi. Oh là là. Non mais c'est autre chose. C'est pas un tricheur, c'est juste qu'il utilise. Non, il utilise mieux que les autres. C'est. Ah, oh là 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 là. C'est. Monsieur, vous. Pour l'ensemble de son œuvre, et pas que ce screen là, je lui. Non, je rends à César ce qui appartient à César. Waka TP, tu viens de mettre un pied sur la concurrence. Dommage parce que celui-là vraiment, il aurait pu être incroyable. Mais là, voilà, on a ce qui se fait mieux. On a ce qui se fait de mieux au niveau des screens. Et ouais, bah merci Waka TP d'avoir participé parce que là, je pense que tu viens d'écraser la concurrence. Voilà, c'est exactement suite à l'heure que je dropper. Sauf que là, cette fois, il a le abandonné. Alors tout à l'heure, on l'aurait pas eu. Ça aurait été insane. Dommage, il aurait fallu un mélange des deux. On a du Ryuken ici. On dirait Bardock SCJ3. Putain, il a de l'ombre au niveau du front, donc on dirait qu'il a le bandeau. On dirait Bardock SCJ3 sur Dokkan. Pizzalies qui nous met du Vegeta Evo, pas mal. Golden Freezer. Et on voit pas. Tu vois, ça, typiquement, je trouve. Alors, ça, c'était avant avec le bug. Ça, typiquement, je trouve ça moche. Ouais, un screen qui est flou, les gars. Pour moi, c'est pas. Alors. Encore une fois, on est sur un tricheur là. Parce que ça, c'est la fin du LF de Bardock. Donc, tout le monde peut l'avoir. C'est rigolo ça. Iguane la bête. On a Raftel, qui est aussi un modo de la chaîne. Ah, un peu flou. Non, c'est stylé, mais... Ah, c'est stylé ça par contre. Stylé, mais un peu flou. Non, mais le mec, il a cassé les jeux en fait avec son iPad là. Guan Beast, il est tellement beau. Guan Beast, il est tellement beau. Attention, parce que je vois du Gogeta Blue.
Gogeta Blue, c'est... Gogeta Blue, c'est pas mal. Migate Revive, ça. Oh, oh non, frérot. Floppy Goat. Tu portes bien ton nom, t'as flop, là. Le screen aurait pu être légendaire si t'avais pas le vote rabassé avant le combat. J'ai l'impression que tout est flou derrière. J'ai l'impression que c'est au timing parfait. T'avais un timing parfait. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas mal aussi, parce que ça, c'est rare pour le coup. Ça, je sais qu'il va plaire à pas mal de personnes, celui-là. Mais pas à moi. Enfin, il me plaît, mais... on a du Tagoku Freezer aussi. On a encore du Guan Biz. Guan Biz, c'est le plus présent. C'est clairement le plus présent ici. Sans débat. Ok, donc ça, c'est mon top 1. L'autre, tout à l'heure, pardon, c'était mon top 1, le Migaté, c'est sûr. Par contre, celui de Végéto, là... Il est incroyable. Il a les deux gouttes dans des plans que je connais même pas. Ça, on dirait, c'est l'aspect, non? C'est l'aspect de Vegeta Blue Ultra, ça, je pense. Et ça, c'est avant de lancer l'ultime de Gogeta Blue, je sais pas. Bon, une masterclass. Honnêtement, une masterclass, ça doit être un joueur fusion, ça, je pense. On a du Gohan Beast, c'est pas mal. On connaît. Ah, il l'a eu en... Il a eu un votre adversaire a abandonné le combat alors que c'était la fin en plus. Ok, si encore une fois, le truc c'est qu'on peut quasiment tous l'avoir. Oh waouh. Oh waouh, le screen de Charlotte SCJ Bou là. Alors celui-là, je l'avais jamais vu. Et celui-là, pour coup, il est très rare. Oh là là, mais on a des screens. Oh là là, celui-là il est beau aussi. Oh là, mais c'est impossible. C'est impossible de faire un choix. C'est celui-là, les gars, qu'on avait élu le plus beau screen de la communauté. C'était celui-là. Là, il est vraiment légendaire, quand même. Mais... On a du Migaté. Oh, celui de Gatai, dommage. Je peux pas les considérer comme étant les plus beaux screens, les gars, quand il y a le truc devant. Malheureusement, je peux pas, mais par contre, on se régale. Hein. Merci pour les yeux. La carte verte de Jiren ici sur Gotenks. Hors sujet. Alors le frérot hors sujet, GG pour tes drops, mais alors pour le coup hors sujet. Oh waouh. Oh waouh waouh waouh, il est stylé. Alors ça, je l'avais quand même pas mal vu, mais je crois que c'est la jauge de Janemba, hein, si je dis pas de bêtises. Pff, stratosphérique. Absolument stratosphérique. La verre de Jiren, on la revoit pas mal. Pourquoi le Taxagabou, il a pas de screen? Il est trop... Il est bon en plus. Il y aurait moyen de faire des trucs. Alors, l'œil de Beast, on l'a vu et revu. Mais non, mais franchement... ouais, non, je vous en veux, là. Pourquoi il n'y a pas de screen de Kid Goku? Ok, alors là, Tris, c'est un phénomène de Gohan Beast, je pense. Il est flou. Frérot, tu joues en combien de frérot? C'est quoi cette qualité? Il y a des, c'est des pixels de partout. Le screen était incroyable. Non, Ena, vous êtes des floppeurs. Ena, vous faites flop des moments, des screens de fou. Quand je vous dis que la communauté en a mis quelques-uns des screens, c'est pas des blagues. Hein. Et vous vous êtes vraiment énervé. Hein. Mais là, c'est difficile de... Après... T'as triché! Regardez la différence de couleur. Ah oui, il a triché, il a mis du contraste là. Il a mis du contraste et de la lumière, ça se voit. Mais il est magnifique le screen. Gogeta vert, il a vraiment des screens. Gogeta vert, Végéto Blue. Il y a de ces trucs. Non, ça j'apprécie pas. Ça, tu vois, ça c'est pas drôle, ça fait rire personne. Comment ça Gogeta se fait écraser par Végéto là? Ça fait rire personne. Wow. Végéto Blue, il doit être dans le top 3. Et il mériterait, vu ce qu'on a vu là. D'être deux fois dans le top 3, là, c'est... Ah oui, c'est moi, je réponds. Il a un screen animé. Regardez ça, il a eu un screen animé. Votre... Non, mais il a tout cassé, là. Votre adversaire a abandonné le combat, il a eu un screen animé. Vous avez déjà vu ça? Mais, Legends, si vous nous écoutez, je vous en supplie, faites ça. Faites des screens comme ça et laissez les effets proc. Oh là là. Alors là, ça c'est extrêmement rare. Pour le coup, le screen animé, c'est... En fait, je pense que c'est le gagnant. Oh, il est moche, le Jiren, là. Oh, comme il est moche. On dirait Grim Cujo.
est vraiment moche. Hein. Ok. Faudrait faire différentes catégories, genre le plus beau, le plus stylé, plus de flow ou le plus drôle. Moi, je pense que c'est le plus beau, le plus rare, et après, t'as le plus drôle. Je pense que ça serait sympa. Ah, bah, c'est moi, il a gagné. Ok. Bon, bah, voici le plus beau screen. Je pense que là, je suis en étant très honnête. On a la peau. Non, on a l'entrée en scène de Migaté, donc ça, c'est du tricheur, ça. Tricheur, 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 parce que l'entrée en scène ne peut pas être un screen, évidemment, d'abandon d'adversaire qui ne peut pas abandonner à ce moment-là. Ok, on a du Migaté sur la jauge. Encore une fois, les gars, vous êtes des bêtes dessus. Celui-là, il est beau. Très, très, très. Alors, celui qui arrive à me deviner quel personnage c'est, bah, c'est marqué, il a mis Migaté Ultra, je crois. C'est pendant l'aspect de Migaté Ultra. On voit ça, c'est le point qui est devant, en bas les jambes et au-dessus la tête. On dirait. C'est Itachi là, non? Oh, un screen plutôt similaire à celui de tout à l'heure. Je sais pas si c'est la même personne ou pas. Ok. Très joli. Très joli la passion. Végéto Blue, on connaît. Putain, il y en a tellement, mais il y en a tellement. J'ai l'impression que ça fait une heure que je joue des screens. J'ai pas envie de laisser sur le côté, les gars, des. Non, ça c'est... Putain, mais il y en a. Eh, vous êtes des trolleurs, il y en a. Il y en a, vous êtes vraiment chiant. Chalotte, c'est plutôt. Ah, il y a Chalotte SG Blue aussi. C'est vrai qu'il y a aussi le screen de Chalotte SG Blue. Oh, Rosé était beau là. Rosé était magnifique. Rosé était magnifique. Et pour vous dire, moi qui dis que Rosé est magnifique. Oh, le pauvre Bardock. C'est un joueur de Trunks Ikari. Gauche tableau, il est très stylé. Et ben là, typiquement, on est sur un frérot qui aurait pu gagner le screen des plus rares. C'est pas le plus beau, mais alors en termes de rareté, celui-là, c'est les Janemba. Ça se voit qu'il est face à Janemba. C'est les petits carrés face à Janemba. Dinguerie. Mais dinguerie, ce concept est incroyable. Ce concept est vraiment trop bien. On en prend plein les yeux. Franchement, je pense que vous devez kiffer. On a la verte. Vous me direz hein, si pour vous, j'ai loupé quelque chose de... Oh frérot, t'avais un screen de fou. Oh, oh là 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 là, ce screen de Migaté. C'est sur la cover... Oh là. Branly Leaf, il est beau ici. Lui, il avait des très 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 beaux screens. C'est qui? Vous citez les noms quand même. Anas DZ. T'avais des screens de fou, frérot. Il y a du Kid Goku, j'ai cru... Oh là 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 là, du Kid Goku! C'est le Makenko Sapo d'Orange Piccolo. Putain, mais Orange Piccolo, il a des trucs bizarres hein, dans son. Il fait quoi là, frérot? Il fait le Gobi? Il fait le Gobi, Goku? Ou. Quelqu'un qui sait prendre les screens, c'est beau ça! Il avait quasiment le timing. Il avait le timing parfait, je crois, de Gohan Beast. Très stylé, l'ultime de Kid Goku. On voit qu'il y a des Kid Goku. Hein. C'est Gamma aussi, Gamma. Oh, attendez. Après, j'ai cru voir un truc là. Ouf. C'est trop dur. J'ai envie de garder celui de Migaté parce qu'il rend trop bien Cell Max. Il est Cell Max en screen de victoire. Omega, bon, Omega sur la verte qui open safe. Mais les gars, vous en avez envoyé combien? Faut pas trop que ça devienne populaire, c'est infernal. Ouh, il était beau celui-là. C'est pas que je suis fan de Migaté, c'est que les Migaté, son modèle 3D est vraiment bien. Il est vraiment bien, il rend super bien. Oh, aïe, aïe. Non mais comment, pour faire la mini, je vais me régaler. Hein. Eh, pas mal de gens qui l'ont celui-là de derrière. Celui-là aussi. Encore du Kid Goku, ça fait plaisir. Après, Kid Goku, force est d'avouer que c'est pas non plus le plus beau personnage du jeu. DF qui envoie ça, qui envoie du Végéto Blue, qui envoie du Gogeta. Je clique pas, sinon je suis obligé de tout redescendre. Pour moi, Gogeta Vert, c'est le personnage qui peut avoir les plus beaux screens. Pour moi, c'est Gogeta Vert. Je pense très sincèrement à Gohan Beast. Merde, il va falloir que je descende tout. Ange Piccolo, mais les gars, comment voulez-vous que je... Il y a trop de beaux screens. Il y a trop de screens, comment je vais faire pour les futurs épisodes? Vous avez régalé là les gars, vous avez régalé.
Regardez tout ce que je dois descendre. On a regardé tout ça déjà. Ah non, c'était en haut. Non, non, on a passé parce qu'il y a un troll. Ok. Ah, le tag Sagabou, dis bien. Syrah qui nous envoie du Janemba qui met de une patate. Jiren aussi, Jiren est bien revenu. Jiren était beaucoup joué, hein, je crois, avec son Zenkai. Waouh, il est beau celui-là. Ça fait bizarre de voir Laura derrière qui arrive en retard un peu. Mais ouf. Je peux pas voter en fait. Honnêtement, les gars, je vais rester sur mon avis. Ah, mais on les a déjà vus. Celui-là, je l'avais. Non, mais en fait, je pense qu'on les a passés. Ah oui, on les a passés. On était justement là. On était justement là. Ah, dommage, on voit pas le Goku en entier, mais c'est vrai qu'il était plutôt pas mal. On a du hit. Ah, on apprécie l'originalité avec VGT-CJ4. Migaté derrière, on l'a vu aussi quelques fois. Du Kid Goku, du Rosé, du Gamma. Mais frérot, il joue. C'est un main magenta ou. La vidéo va être trop longue. Migaté, ça, c'est la pose ultime du LF. Rose Ultra aussi. Hein. Rose Ultra, il a des. Ouf. Magnifique. Magnifique, les gars. Ouh, il y a un screen qui me plaît. Mais honnêtement, ceux qui. C'est un cheat code, hein, ceux qui sont sur iPad ou quoi. On voit le, en plus, vous savez, le truc rouge derrière. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Ouf. C'est un. Vous savez quoi? Franchement, c'est pour vous. Hein. Allez-y, bon courage à vous pour voter. Hein. Je sais pas comment vous allez faire. Comment vous allez faire? Oh, il est sur iPad. Oh non, oh non, le. Oh non! Sans le adversaire avait abandonné. Oh, qu'est-ce qu'il était stylé! Qu'est-ce qu'il était stylé. Ah, il a... Il est full, full. Le frérot, il est full mauvais timing, je suis mort. Il a que des mauvais timings, le pauvre. Ah non. Derrière, on a du Vegito Blue. Et il y a des Janemba aussi. Hein. Pff, il était beau, celui-là. Il était très beau, celui de Janemba. Vegito Blue, Vegito Blue, encore du Vegito Blue, encore du Vegito Blue. Et... Ah oui, d'accord, c'était tout dans la même game, ça, mais c'est... C'est l'omniprésence de Vegito Blue. Hein, quand un personnage est aussi fort que était Vegito Blue, bah, c'est pas compliqué. T'as pas à réfléchir 8 ans, tu le vois dans toutes les games. Donc forcément, ça donne des Vegito Blue, Vegito Blue. Alors des screens Migaté, Migaté, bah, c'est quand même beaucoup plus rare par le fait qu'on croise moins de Migaté. La verte de Muten jaune, qu'il faudrait que je rejoue. Pan. Ah, il y a trop de screens, les gars. Je suis obligé d'aller un peu plus vite. Hein. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est de la triche. C'est la fin du LF, c'est de la triche. Ça c'est pareil, c'est de la. Ah, ça peut-être pas, je sais pas. Non, si. Le ref il a pas compris, je crois. Schaffman il est stylé celui-là. Celui-là on l'a eu plusieurs fois donc je peux pas le mettre. Waouh, 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 waouh. Oulala, attendez, il y a un truc stylé derrière. Gauche taverne, je vous dis. Hein. Gohan Beast aussi. Transfou d'Irene, ça, la fameuse coccinelle. C'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué de voter. Il y en a tellement. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Ouh, de derrière de l'open safe, celui-là il est rare. Oh, oh là là, il est stylé celui-là. Qu'est-ce qu'il est stylé? La pose de cou, elle est parfaite. Légendaire, ça va dans le top 10. Sans aucun souci, ça va dans le top 10. Cette pose de Migaté n'ira pas dans un bon top parce qu'on la connaît, elle est pas. C'est comme la Transfood Beast en fait, mine de rien. On la voit, on la voit, on la voit. Quelque chose aussi. Gohan Beast face à Orange Piccolo, il y a vraiment un truc stylé là. Il y a vraiment, vraiment un truc. C'était quoi ça? Vegito Blue face à Migaté. Kid Goku face à Freezer Revive, c'est stylé un petit peu. Ouais, celui-là, c'est comme tout à l'heure, il est pas très joli en vrai. En soi. Oh, j'ai vu un truc qui me plaît là. Stylé ça, le Soul Punisher de l'ultime de Gogeta Blue. Stylé, la bête. La bête. La transfo de la bête. Ouais, c'est que des transfos de Gohan Beast en fait qu'on voit. Avec son cut de TP, ça donne lueur. Celui-là, vous voyez, comparé à tout à l'heure de Gogeta Blue, celui-là, il est beaucoup plus joli. Il est rare aussi, et je trouve beaucoup plus joli, pour le coup. Du Gohan Beast, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il fait, le Goku? Ouf,
Celui-là, il est typiquement très rare et typiquement très beau. Quel concept de fou. Il y a plein de planches, je savais même pas que ça existait dans le jeu. Je vais refaire un tour, les gars. Un mini tour parce que je sais où sont à peu près situés les personnages, mais il y a trop de bons screens, en fait. Le suite de Gwen Beast, au début, était stylé, mais... Celui-là est quand même pas mal. Celui-là est quand même pas mal. Mais le frérot Wakatepe, je crois qu'il a cassé la concurrence. Je sais pas. J'ai envie d'aller sur quelque chose comme ça. J'ai envie d'aller sur quelque chose comme ça. Je trouve qu'il est incroyable. Vous savez quoi, les amis? On va se laisser là-dessus. Et vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire. Quel est, pour vous, le plus beau screen qu'on a vu? Mettez un timer à 10.07, à 10.08. Dites quand vous pensez voir le meilleur screen. Mais honnêtement, celui-là me paraît être un absolu banger. Je vais me régaler pour la miniature. Donc, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Je fais de gros bisous, les gars. Passez d'excellentes fêtes et d'excellentes journées. Ciao.